À l'origine, donc, on sort de la guerre. On est dans les années 45-46. Le Japon est détruit, dévasté économiquement. Ils ont subi Hiroshima et Nagasaki. Et Osamu Tezuka, donc, qui est dessinateur, vient de la campagne, du côté de Kyoto. Et il dessine. Et lui, ce qu'il a, c'est qu'il dessine pour les enfants. À l'époque, il faut savoir qu'il y avait énormément d'enfants dans les rues. D'enfants errants, orphelins. Si vous avez vu peut-être le film d'animation Le Tombeau des Lucioles, ce sont deux enfants de cette époque-là. Et il y a beaucoup d'enfants. Ils n'ont pas beaucoup de divertissement, ils tentent d'ailleurs déjà de survivre. Et à l'époque, il existe ce qu'on appelle des librairies de presse. C'est-à-dire que